qu'il était mené et que il servait contre un Jürgen Melzer qui était un jeu de la victoire. Il avait retrouvé son service, sa qualité de serveur, ses qualités naturelles de serveur. Il faut persévérer maintenant. Merci. Oh, elle est dehors. 15. Elle est dehors. Il s'était pourtant complètement ouvert le court grâce à ce revers sauté là, regardez-le. Vous verrez tout à l'heure avec Sébastien Grosjean et Arnaud Clément, deux bons spécialistes de ce genre de cabriole. Ouh là là, 0-30. Et on voit un Jürgen Melzer qui se contente, hein, pour l'instant, on va pas si c'est, hein, que Fischer est relativement fébrile, il se contente de le fixer avec beaucoup de profondeur. Il est à 2 points du match. Il s'est complètement relevé dans sa frappe. Il a pas eu le courage et l'écran vraiment de partir avec ce coup droit pour prendre sa chance. 0-40. Très très timide, hein, sur ce dernier coup droit. Et ça fait 3 balles de match. 3 balles de match pour Jürgen Melzer face à Mardy Fisch. Ce serait une belle surprise pour le tombeur de sa fine hier. Gros danger. Ouais. Là, il va falloir tenter quelque chose, hein, sur le retour. Elle est dehors et Jürgen Melzer qui s'impose. Pourtant c'était bien mal parti pour lui, puisque Mardy Fisch avait remporté la première manche 6-1. Mais Jürgen Melzer, en toute fin de deuxième manche, a su resserrer un peu le jeu, s'accrocher. Et il les a remportés ces deux derniers sets, 7-5, 7-5. Et le voilà qualifié donc pour les demi-finales, des demi-finales dans lesquelles il rencontrera demain Marc Gicquel, le premier vainqueur de la journée. Marc Gicquel qui a remporté son match face à Florent Serra. Donc voilà, on connaît l'affiche d'une demi-finale, celle du haut du tableau. Ce sera donc Marc Gicquel, invité dans ce tournoi, qui a battu notamment la tête de série numéro 1 du tournoi, David Ferrer, face au tombeur de Marat Safin et de Mardy Fisch, Jürgen Melzer. Et Mademoiselle Miskina est évidemment ravie. Les deux autres quarts de finale, c'est juste après, avec d'abord évidemment le grand match entre Sébastien Grosjean et Arnaud Clément. On se retrouve après une page de pub. À tout de suite.